Meshem Hashem Naseh Venatzler Sheniske Lagdil Torah Ladira Betachlit Shelirat Shamayim. Nous sommes aujourd'hui jeudi le 30 du mois d'avril et nous sommes déjà le 6 du mois de Iyar. Donc, Bezrat Hashem Sheniske Lishmoa Yeshuot Venechamot avec ce confinement. En attendant, on étudiera ce matin trois shiurim avec l'aide d'Hashem Blineder, nos sages racontent, Maseret Avot et autres, on verra par la suite, Alaha. On continuera donc Bezrat Hashem Blineder la Halachot. Et on est donc avec nos sages racontent un shiur acheté par Raphaël Skouri pour l'élévation de l'âme de son papa, Alva Shalom Rabbi Moshe Ben Meir, Zichrono Livracha, puisque c'est les 30 jours aujourd'hui. Ensuite, le 6 mai, il y aura aussi Yael Maman pour son grand-père, il me faut le nom d'ailleurs, Marco Marek, le 4 mai. Il y a aussi un shiur, 17 Iyar, Bezrat Hashem, et puis ensuite, vous avez Bezrat Hashem, vous avez été nombreux à acheter des cours, et les cours se rajoutent grâce à Dieu, donc soyez un tout petit peu patients pour ceux qui ont acheté des cours, on les fera, ils sont notés, vous voyez, tout est noté sur mon portable, la liste des gens qui ont acheté un shiur, Bezrat Hashem, Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël, Bli Yotzei Min HaKlal, pour l'élévation de toutes les âmes d'Israël, Roi Hashem Tenachena Began Eden Elyon, Todaraba, merci aussi Bezrat Hashem, pardon, Refoua Shlema d'ailleurs pour Shirel Bat Esther, Bezrat Hashem, quelques jours où lui donne une très grande santé, Ben Nefesh, Baruach ou Ben Neshama, Bracha Vatzlacha pour Shana Bat Karol, Bezrat Hashem, quelques jours où Yerzirota Bitshuva Shlema, Vechol Asherla, Veita Kol Israël, Todaraba à Marie Benita, Todaraba Eli Ouzan, Todaraba à vous tous, là aussi c'est quoi? Arik habitant, Todava Mir Israël habitant, Sarah Atia Yekara, Veret Abad, alors MRS, tu te rappelles c'est quoi le nom? M5S. Tov. Esther Elisha Yekara, Carol Dassaro Biondo, si j'ai bien prononcé, Jonathan Bar David Ayakar, Jonathan Ben Arouch, on n'oubliera jamais Daniel Bilar Ayakar, toujours avec nous, que Dieu te bénisse Tadik, Kelly Michal Da'an Yekara, Esther. Esther, donc Isabelle, Habib. Je voudrais une Refoua Shlema pour Esther Batrivka, c'est un bébé. Esther Batrivka Bezrat Hashem, Anna Elnarefanala. Et Eli Eliaou. Eli Eliaou. Ben Janet Zora. Ben Janet Zora Bezrat Hashem, Refoua Shlema Refatan, Feshurfoua Tagus, Ruta Torah Taganelinu, Kol Am Israël, Amen ve Amen. Toda Rabba aussi à Aniam Salem et tous ceux qui peuvent Bezrat Hashem et qui pourront participer à cette extraordinaire construction avec l'aide d'Hachem que nous commencerons d'ici peu pour la Alia francophone, Bezrat Hashem, avec le soutien du gouvernement, avec l'aide d'Hachem, la bracha de tous nos rabbanim ici présents, du Rav Shlomo Amar, Rav Tzrak Yosef et tous les autres, Sheniske Bemet, de voir le bonheur sur le sourire de chaque visage juif, puisque nous travaillons très fortement, et j'en profite d'ailleurs ma femme pour te remercier parce que tu n'arrêtes pas, et toute l'équipe de Oel Moshe, toute l'équipe de TorahTraim.net, toute l'équipe que vous connaissez, ceux que vous ne connaissez pas, qui font un travail vraiment phénoménal. Merci à Ben Haddad, merci à Laurent Ben Dayan, merci à Stéphane Fitoussi, merci à Patrick Smadja, merci à tellement de monde. Bezrat Hashem, on est une très très grande équipe ici au service du peuple d'Israël, aussi bien israélien comme francophone. Ici, on ne fait pas de différence entre les kippotes, grâce à Dieu, entre les pensées différentes. On aime tout le monde. Et on veut tout le monde, Bezrat Hashem, avec le sourire. Sans plus tarder, notre premier shiur de ce matin, on est nos sages racontent. On avait commencé, on avait fini avec Nimrod, maintenant on passe à la naissance d'Abraham Avinu. Une naissance toute particulière, puisque nous avons expliqué dans le dernier shiur que la mère d'Abraham Avinu, Amtalai Bat Karnevo, ou plutôt aussi connue selon le nom de Tissa, oui, eh bien, va mettre au monde un enfant, puis un autre enfant, Nahor en d'autres termes, et va naître un enfant très spécial, Abraham Avinu. Alors, en quoi il est spécial, Haran et Nahor, pour les frères d'Abraham? En quoi il est spécial, cet enfant, Abraham Avinu? Il est spécial parce que Abraham Avinu n'est autre que le tremplin de la réussite de tous les échecs de 20 générations qui l'ont précédé depuis la création du monde. Et Abraham Avinu a pour mérite d'être
la réincarnation, si vous préférez, d'Adam Harishon. Donc Adam Harishon échoue dans une première faute, enfin échoue, c'est un long mot, parce que 930 ans de vie, une seule faute, ça s'appelle réussir sa vie. Mais en tout cas, à l'échelle de l'humanité, c'est considéré comme une faute. Celui qui vient relever le défi de cette situation où Adam Harishon a fait une faute, mais qui se divise en trois dimensions. Il a fait Avodah Zara parce qu'il a écouté le serpent qui a parlé à sa femme, donc il n'a pas écouté Dieu, Avodah Zara. Il a travaillé en faisant son action pour quelque chose d'autre. Ils ont apporté la mort dans le monde, donc le meurtre. Pardon, ça a été un problème. Et puis, en même temps, il est parti avec sa femme dans l'interdit de la Torah, puisque sa femme était devenue Nida. Elle lui était, enfin, c'est toute une longue histoire, elle avait été avec le serpent avant. Donc, on a les trois fautes les plus graves du judaïsme qui ont été accomplies dans la faute originelle, selon nos Chachamim. Petit 1, eh bien, dans la faute originelle, on comprend qu'il y a eu de l'idolâtrie, le meurtre et l'inceste. Ces trois notions viendront être réparées par trois personnages qui sont, en fin de compte, les trois réincarnations d'Adam Harishon pour réparer chacune d'entre elles. Avraham est la naissance de celui, donc d'Adam Harishon dans le corps qu'on appellera avec le côté visuel Avraham Avinu. Il vient réparer quoi, lui? L'idolâtrie. Nachon, Avraham vient enseigner le monothéisme et en même temps récupérer les nitzotzot du Zera Levatala qui ont été faits par Adam Harishon. C'est-à-dire qu'Adam Harishon, après avoir fauté, divorce de sa femme pendant 130 ans, il va avoir des pertes semenciales, ça se dit semenciales? Semences, je ne sais pas. Excusez-moi, je n'ai pas un très bon français. Et toute cette semence, eh bien, va tomber dans la clipa, et c'est ce que va faire Avraham, récupérer en reconvertissant les non-juifs au judaïsme. Avraham était donc quelqu'un qui convertissait les gens, et pourquoi il faisait ce travail-là spécialement? Alors au niveau du pshat, pour faire connaître le nom de Dieu, que la Torah est universelle, oui, mais au niveau du sod, il est parti récupérer les nitzotzot qui avaient été perdus dans sa réincarnation précédente. Vous voyez que ça va beaucoup plus loin que ce que notre esprit pourrait comprendre dans les textes. Et donc, Avraham vient réparer le premier personnage, le père de la Ouma israélite, de la nation juive, Avraham Avinu, Alav Shalom, vient réparer la première entrave dans la faute originelle, celle de l'idolâtrie. Donc, il met un frein à l'idolâtrie, il enseigne le monothéisme, il répare cette chose-là. Son fils Yitzhak, donc toujours Adam Harishon réincarné, deuxième corps, Yitzhak lui vient réparer le meurtre, d'où la Akedat Yitzhak. Donc, comme ça a porté le meurtre dans le monde, pour avoir écouté le mal, eh bien, il donnera sa vie pour écouter le bien, parce que Dieu le demande. Donc, l'un est venu réparer l'autre. Abraham est venu réparer l'idolâtrie, Yitzhak est venu réparer le meurtre, et Yaakov, vous l'avez compris, va créer les 12 tribus avec de grandes difficultés, puisqu'il va épouser deux sœurs, un interdit de la Torah, mais il va les convertir, donc quelque part, elles ne sont plus seules, sœurs, pour pouvoir engendrer. Yaakov se posera toute sa vie la question, au point dans la paracha de Vayechi, dernière des 12 parachas du livre de Bereshit, il posera la question en disant, mais est-ce que mon lit est complet? Ça veut dire quoi, mon lit est complet? On ne parle pas de l'oreiller, du drap, de la couverture. Mon lit est complet, ça veut dire que tous ses enfants étaient autour de lui. Il disait, mais est-ce que vous êtes tous tzadikim? Est-ce que Zebes Seder, est-ce que la naissance venue de vous a été appréciée par Dieu? Est-ce que Zebes Seder, pourquoi? Parce que, quelque part, on a vu que Dieu, même s'il avait épousé deux sœurs, Rachel et Léa, eh bien, quand ils sont rentrés sur le territoire d'Israël, ben, Dieu a pris Rachel. Ça veut dire que, quelque part, Abraham s'est posé, Yaakov s'est posé la question en disant, mais si mon Dieu me prend une de mes femmes, c'est peut-être que j'ai raté aussi le coche. Et Dieu lui dit, non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est venu du fait que tu l'es maudit, que celui qui a caché les téraphim meurt. Et donc, tu l'as tué par la parole. Fais très attention à ce que tu sors quand tu viens sur un coup de nerf ou un jugement mal placé. Tu peux créer des dégâts. Et après, tu te plains en disant, mais je ne comprends pas pourquoi j'ai pas de chance. T'arrêtes pas de dire, j'en ai pas. Alors, tu vas finir par pas en avoir. Quand tu dis, par exemple, j'en ai marre de toi, t'étonnes pas qu'il y ait une mauvaise nouvelle. Il fallait pas trop le dire, parce qu'à force de dire des choses, tu les crées. Eh bien, surtout quand on est tzadik, la valeur de la parole est énormément prise en compte dans le ciel. Donc, ikpid alav, vechen al zaderer. Alors, qu'est-ce qu'est venu faire Yaakov? Et lui, il est venu réparer l'inceste. On ne peut pas reprocher quoi que ce soit à Yaakov, puisque la naissance de ses 10 fils et 12 tribus d'Israël forme la Kedusha, le Keli, l'ustensile, justement, de par lequel Dieu va se dévoiler par le deuxième maillon de l'histoire. Premier maillon, les Avot. Deuxième maillon, les 12 tribus. Troisième maillon,
le peuple d'Israël. Et ainsi donc, les trois avot à Kedoshim, Abraham, Yitzhak et Yaakov ont enfin scellé, scindé d'une certaine façon la faute originelle sur les trois paliers qu'elle avait malheureusement atteints, l'idolâtrie, le meurtre et l'inceste. Dans ce cas-là, vous allez me dire pourquoi il n'y a pas eu la Géoula. Tout simplement parce que nous, en tant qu'enfants, on a un peu perpétué cette défaillance à travers les générations. Et tant que ce ne sera pas réparé, eh bien, on ne pourra pas retrouver le Gan Eden sur Terre. Tov. Grande question sur Avraham Avinu aujourd'hui que pose le Rabbi de Lubavitch. Ben Shivim Shana Aya As Terach Besimchato Asa Mishte Gadol Lechol Avadav. C'est à l'âge de 70 ans que Avraham Avinu, donc Shana, excuse-moi, Ben Shivim Shana Aya Terach. Je reviens un petit peu en arrière, on laissera pour le prochain cours ce qu'a dit le Rabbi. Quel âge avait donc Terach le jour de la naissance de son fils? Il avait 70 ans. Terach n'est autre que le père d'Avraham Avinu. Obsimchato Asa Mishte Gadol Lechol Avadav. Et donc, comme Terach, vous saviez qu'il était donc bras droit de Nimrod, il a fait un énorme banquet en l'honneur de la naissance de son fils. Veyashvu imo ad alayla kasher shavu anashim mevetam ro bedarkam kochav gadol meir bashamayim. Et bizarrement, en revenant de ce michté, ils ont vu une étoile dans le ciel, de bizarre, qui brillait particulièrement et qui filait dans le ciel. On peut dire une étoile filante. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir plein d'étoiles filantes, c'est pas un ridouche. Mais une étoile filante qui se voyait aussi clairement et aussi grosse et impressionnante ne pouvait être pour eux qu'un signe du ciel. Et cette espèce de toile énorme qui fonçait dans le ciel venait de l'est du ciel, ou Pagabar Bakochavim ou Blaam. Et là, ils ont vu quelque chose d'inapproprié, c'est que cette étoile filante a avalé quatre autres étoiles qui ont disparu du système solaire. Tamu kol chachmei ha-melech v'chartumim. Les sages et les savants ont été fortement étonnés de la scène qu'ils venaient d'observer dans le ciel. Motomar evinu ki hayeled shenolad terach b'layla hazeh. Et là, ils ont compris que de là où ils revenaient, c'est quand même incroyable, parce que ils savent qu'il n'y a pas de hasard, ils savent que les moments qui sont choisis pour dévoiler des choses ont un rapport avec les événements, comme par exemple tous les événements qu'on vit dans la semaine ont toujours un lien direct avec la paracha de la semaine. Eh bien là, ils disent, il est évident qu'on ressort de la naissance du fils de Terach, Avram, et on vient de voir ça. En sortant de chez lui, c'est qu'il y a un message. Et quel était ce message? Igdal vaifrah ad me'od. Ils ont compris que le personnage qui venait de naître, ce petit bébé, allait devenir quelqu'un de très grand, de très fort, et qu'il va annuler, avaler, détruire les valeurs précédentes des nations du monde, qu'on appelait le Derech Eretz de cette époque, c'est-à-dire qu'il était tout à fait conventionnel, normal, avoir du savoir-vivre que de faire de l'avodah zara. D'un coup viendra quelqu'un, ils ont compris que cet enfant qui vient de naître allait devenir un très très grand personnage. Bevo haet yarog ou uvanav melachim adirim yarshu et artzam. Et eux, comment ils ont compris les choses? Ils ont dit apparemment, il va être encore plus grand que le roi Nimrod, et il va conquérir toute la terre, mettre à genoux tous les rois. Al rubo kol chachamim v'chachtumim levetam avokei ishkim uviti atzkutsu bevet noses v'shem amru ish el reu. Donc ils se sont réunis le lendemain matin, nous expliquent les chachamim, et ils ont fait une grande réunion pour juger la situation. Asher reunu amesh, car nous avons vu hier soir nelam ameler velo nodalo. Ils ont dit, ils se sont posé la question, est-ce qu'on doit tenir au courant le roi Nimrod de la naissance d'un divin enfant? Et ils ont décidé de le faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit que si le roi apprendrait, donc Nimrod, qu'ils étaient au courant de cela par leur jugement et leur compréhension sans le tenir au courant, ils pourraient se venger d'eux. Et donc, ont couru annoncer au roi la naissance d'un enfant, pas comme les autres, qui aura un pouvoir et que le ciel fera grandir. On est ici après la tour de Babel, d'une certaine façon, enfin à la même période, plus ou moins, juste après. Et donc, ils venaient de lutter contre Dieu et ils voient comme un signe de vengeance du ciel en disant, vous, vous avez fait du mal en voulant m'atteindre, moi je vous envoie une seule personne pour vous retourner la tête.
Yehi Malkenu. Ils sont arrivés devant Nimrod, roi du monde à cette époque, et lui ont dit, vive le roi. Allô, Shamata Kinolad ben Eterach, ben Nahor, Sar Tsevaacha. Tu as entendu que est né un fils dans la maison de Terach, général en chef de toutes tes armées. Et quand nous sommes revenus de sa grande fête qu'il a fait pour sa naissance, nous avons vu un signe dans le ciel terrible. Ils lui ont raconté exactement comment les choses se sont passées dans le ciel. Ils lui ont posé la question, ils ont dit, combien d'étoiles il a avalé? Il a dit, 4. Il a avalé 4 étoiles. Gamet pitron advarim iganu et lo etzenu nimrod. Lech ukne et ben terach vanachnu nemitenu. C'est bizarre, à l'époque, les enfants pouvaient se vendre, s'acheter. Et donc, le roi propose d'acheter le fils de Terach afin de le mettre à mort. Mi er veshalach nimrod et avdo, likro et lav et terach. Et on a convoqué immédiatement Terach. Donc, on est vraiment dans l'historique juive hein, ici. Terach a été convoqué chez Nimrod. Vitezvu Terach lifne Nimrod. Et Terach s'est retrouvé très rapidement devant le roi Nimrod, à Marlokar. Igiduli, ki bincha ze yashrit ami rabim birbosh. Est-ce que tu aurais mis par hasard au monde un enfant qui deviendra très puissant et conquérera le monde, toute la terre? Vina anochi hachelem lecha, mechire yakar kama sheterpatz. Il lui a dit, inscris-moi la somme que tu veux, car je veux acheter ton fils. Vechen oto miyadi vehergehu, afin que je le mette à mort. Combien tu es prêt à vendre ton fils? Patar Terach et Piv, Vehamar, et Mol Bikesh Mimini, Echa me Avader Hashim Korlo et Susi, Atov, Asher Kibalti me et Amelech. Il lui a dit, c'est marrant que vous me demandiez une chose pareille, parce que hier est venu me voir une personne qui m'a demandé d'acheter le cheval que vous m'avez offert. Vous, Itenli, Bimkomo, Teven ou Mispo. Et il me propose comme prix de la paille et de l'engrais, quoi. Enfin, pas de l'engrais, de nous, des céréales. Rav, beaucoup. Au chef Tilo, Amten, Hatch, Echal, et puis Adoni, Amelech. Il lui a dit, il faut que j'aille d'abord poser la question au roi. Vata et Moron, a dit, Malki a essayé, et Amikachase, Imasus, il lui a dit, Gvod Amelech, le cheval que vous m'avez offert, quelqu'un me propose de l'acheter à fort prix. De quoi? Il me prend le cheval et à la place, il me donne beaucoup de paille et beaucoup de céréales. Kas Nimrod Vetsaak, il lui a dit Nimrod dans une colère noire, Keshil Shechamocha, il lui dit imbécile, comment tu peux me poser une telle question? N'importe quelle personne comprendrait que quoi? Il lui dit, Mat Sorech Yelecha Bateven Imlakahasus, en quoi te servirait une telle quantité de céréales et de paille si tu perds ton cheval? Azamar lo Terach. Terach, il lui dit, sache une chose, on m'a rien proposé, on m'a pas proposé d'acheter le cheval que le roi m'a offert. Mais si je te donne mon fils et qu'il meurt, alors que à quoi me servirait toute la fortune du roi? C'est-à-dire, si je n'ai pas à qui le donner, si je n'ai pas d'héritier, à quoi cela me servirait de te vendre mon fils pour de l'argent? Donc, en prenant mon fils, ton argent ne me servira à rien, car moi j'ai déjà ce qu'il faut. Mais étant donné que tu es le roi, j'écouterai ce que tu me dis. Et voici que. Car moi et toute ma maison sont entre tes mains, lui a dit Terach au roi Nimrod à Racha. Chazar Amelech Be'amar, Rak Bincha Anim Vekesh, Umchir Amale Akniou. Et Nimrod lui a dit non, avec toi je préfère être droit, je ne veux personne de ta maison, je ne veux que ton fils et je te paierai pour cela que tu le veuilles ou pas. Bikesh Terach Zman Shloshet Yamim. Et Terach lui a dit alors laisse-moi 3 jours avec mon fils. Kedeshe Lesochéach Imishto Amtalai. Afin que je puisse parler avec ma femme, Amtalai, mère d'Abraham, Asher Kos Samcha et Mayelet Bena. Parce que pour ma femme, ce sera une déchirure incommensurable. Elle a tellement attendu cet enfant. La Rinet Liba, l'exerat Ameler ou Nahama, le temps de la consoler du décret du roi de lui prendre son fils, Iskim Ameler Lamtin, qui a Ab et Terach. Et comme Terach était quelqu'un qui était chnin et sympathique, eh bien, le roi lui a accordé cette faveur. Cheshav Terach le Beto, Vesiper le Ishto et Kola Devarim, Akashim Aele. Donc, quand Terach, maintenant, est venu à la maison raconter à sa femme, Barta et Isham et Od Vetsama Albena. Et donc, elle s'est mise à jeûner et elle a commencé à pleurer de toutes ses larmes en serrant son fils dans les bras. Bayom Ashlishi. Et quand vint le 3e jour, Shalach Nimrod Amelech el Terach, Obikcho le Avi, Elav et Avram Beno. Les soldats arrivèrent dans la maison de Terach et lui demandèrent d'apporter ce jeune Avram,
bébé dans les bras. באותו רגע לקח תרח את אחד מבני עבדיו שהיה בן גילו של אברהם. וכס קפה תרח? Il a fait un coup de vis. Il a pris un autre bébé que lui est parti acheter. Tu n'avais pas tout ça. Hein? C'est ça, d'étudier nos sages racontent. C'est de savoir comment les choses se sont passées s'il y avait une caméra depuis la naissance. Qui a eu fait quoi et quoi a fait qui. Comment Dieu a créé son peuple. Très intéressant. Qu'est-ce qu'a fait Terah? Il a tellement eu de peine pour sa femme qu'il aimait, qu'il a pris un autre bébé, qu'il est parti acheter une esclave ou un esclave. Il a pris le bébé Avram, qui avait été tout bébé. Il l'a caché dans une petite grotte, bien protégée. Il est parti acheter un bébé d'un esclave et il a fait croire que c'était son fils. Avram, Umad Bameara, Ach Ara, Avitziklo, Sham Meod. Et Avram, bébé, était caché dans une grotte. Personne pour le sauver, pour ne pas qu'on suive qui que ce soit, alors qu'il crevait de faim. Avram était en train de vivre une grande difficulté. Vous allez me poser la question, pourquoi? Pourquoi il avait faim? C'est un bébé. Parce qu'il n'y a personne pour le nourrir. Il aurait pu envoyer un corbeau, un oiseau. Mowgli, il a eu des loups. Lui, il aurait pu avoir autre chose. Répondant, le tikkun d'Avram venait de commencer. Il avait mangé de la connaissance de l'arbre. Vous vous rappelez? Le Etz Hadaat. Il avait mangé. Dès la naissance d'Avram a commencé son tikkun. Tu ne pourras pas manger. Bacha b'chi gadol. Et sa douleur était tellement grande à ce bébé que son cri et ses larmes sont montés jusqu'au ciel, tellement Avram avait faim dans cette grotte tout seul en tant que bébé. Shama Hashem l'école b'chiato v'shalach elav et malach Gabriel. Et Akadosh Baruch Hu, dans sa grande miséricorde, lui a envoyé l'ange Gabriel pour le nourrir. L'achyot et nafsho v'natan lo malach halav lishtot kol otam ayamim ad shegadal Avram v'ayab keben shalosh shanim. Et combien de temps il a caché pour l'instant? Jusqu'à l'âge de 3 ans. L'ange Gabriel nourrissait Avraham et éduquait Avraham d'une certaine façon dans la grotte. Azichlit la tzedbala et la minomehara. Et Avraham, bien sevré, ayant grandi à l'âge de 3 ans, est sorti enfin de la grotte. Vous avez compris donc que Nimrod a tué un bébé qui n'était pas Avraham Avinu. Et quand Avraham est sorti de la grotte, il faisait nuit pour ne pas être vu. Et il observa le ciel et constata que les étoiles brillaient fortement dans l'univers. Il s'est très étonné de voir un tapis d'étoiles dans l'univers et il a dit Bevadai, comment c'est possible que ça brille aussi fort dans un monde aussi obscur? Je suis sûr que ce sont les étoiles qui sont le Dieu du monde et que c'est eux qui ont créé le monde. Et Avraham s'est tout de suite prosterné devant les étoiles. Je rappelle que juste avant, il était dans la grotte, donc il ne voyait rien. Quand il est sorti dehors, il a rencontré la nature. Quand il a vu qu'au matin, il n'y avait plus d'étoiles, Amar Avram, lo Elokim et Maorot Aktanim, c'est plus possible que ce soit les étoiles qui ont créé le monde, puisqu'elles ont disparu. C'est qu'il y a quelque chose de plus fort qu'eux. Donc vous avez compris que pour Avram, l'analyse, c'est que si Dieu est Dieu, rien ne peut contre lui. Aucune chose ne peut l'empêcher d'exister, de vivre, de faire et de surmonter toutes les épreuves. Car elles ont disparu. Alors je ne me prosternerai pas. Abraham, il a juste 3 ans. Il dit non, alors c'est pas ça. Et donc, qu'est-ce qui a apparu pour la première fois devant les yeux d'Abraham Avinu alors qu'il sortait de la grotte? Le soleil. Abraham a essayé d'observer le soleil, il était stupéfait. Il a dit, maintenant j'ai compris. Les autres, c'était des petites étoiles, mais le soleil est tellement grand. Donc, c'est certainement le soleil qui a créé le monde. L'azot ishtahabe vezeo elokim. Il se prosterna en disant, apparemment, c'est toi, Dieu. Achlet erev kshashaka hashemesh lo haita od evin shaf ena elokim. Mais quand retomba la nuit, il comprit que ça ne pouvait pas être le soleil, Dieu, car il n'a pas pu tenir. Deuxième réflexion d'Abraham est venue à l'âge de 3 ans. Si Dieu existe, il est omniprésent. Il ne peut pas partir, il ne peut pas être remplacé par autre chose. Donc, ça ne peut pas être Dieu. Et d'un coup, est montée l'obscurité, est venue la lune. Il a dit, waouh, comme elle est belle. Comment peut-elle briller d'elle-même en pleine nuit? Ainsi donc, je suis certain que c'est lui, Dieu, se prosterna et constata qu'un nuage venant, patati patata, be autoriga yara damalach Gabriel, la kachet Avram, vio el maïan, vamarlo, rechatsut bol be atzmecha.
Et l'ange Gabriel est venu vers Abraham à l'âge de 3 ans. Il lui a dit, viens avec moi, suis-moi. Il l'emmena vers une source d'eau. Il lui dit, maintenant fais ton mikvé. Fais un mikvé. Achaka gilalo malach, ki Hashem ou Elokim. Il lui a dit, cesse tes analyses. En voyant que le nuage a bouché la lune, que le vent a poussé, qu'à chaque fois que tu voyais plus fort, il lui a dit, sache que Dieu a créé tout ça. Et que la création, l'œuvre, le chef-d'œuvre d'une personne n'est que le représentant de l'artisan. Donc Dieu est au-dessus de tout. Elokim Hashemim Al Ve'Alaretz Mitahat. Il est au-dessus du ciel, tout comme il est en dessous de la terre. Il est partout. Lui dit l'ange Gabriel. Donc qui fut le premier rab d'Avraham Avinu selon le Midrash? L'ange Gabriel. Et donc quand Avraham a entendu de la bouche qui pour lui n'était qu'un éducateur, d'une certaine façon celui qui l'a élevé, eh bien Avraham Avinu, alav shalom, avait réussi quelque chose d'extraordinaire, c'est de prendre conscience que Dieu était bien au-dessus de toute pensée divine. Et pourtant, il restera très cartésien dans sa façon de penser. Vous avez vu qu'Abraham Avinu, alav shalom, est quelqu'un qui a besoin de comprendre, qui a besoin d'analyser, qui a besoin de trouver des explications à Dieu. Et c'est pour cela que dit le Rabbi Lubavitch, et donc j'avais commencé par lui, je finirai quand même par lui, pour finir avec cette très très importante parole de nos sages sur la naissance du premier juif hébreu de l'histoire. Eh bien, le Rabbi Lubavitch pose une question très importante pour nous. Il dit, comment se fait-il qu'Abraham, s'il a rencontré Dieu à l'âge de 3 ans, il ait eu affaire à Dieu qu'à l'âge de 75 ans? Alors c'est vrai que chaque temps pour une chose et chaque chose pour un temps. Et pourquoi? Et le Rabbi, il dit qu'Abraham Avinu, jusqu'à l'âge de 75 ans, cherchait toujours à comprendre Dieu. Et c'est à 75 ans qu'il a déposé les armes avec sa pensée, qu'il a dit, bon, j'ai compris une chose, je ne pourrai jamais savoir ni qui est Dieu, ni comment pense Dieu, ni comment Dieu dirige son monde. En fin de compte, il a baissé les bras de la pensée. Le jour où il a fait ça, dit le Rabbi Lubavitch, il a pu s'investir d'une émouna irrationnelle, de la émouna qui ne demande plus de réponse. Alors Dieu s'est tout de suite dévoilé à lui. Et c'est un très très grand Moussar Eskel, extraordinaire enseignement du Rabbi Lubavitch, qui nous dit que tant que tu penses que tu peux comprendre Dieu en expliquant pourquoi et comment, et moi je sais, moi je vais t'expliquer, mais c'est normal, peut-être que tu arriveras à adhérer à Dieu. Mais si tu veux que Dieu se dévoile à toi, il faut que tu te vides de toi-même. Ça veut dire qu'une fois que tu te videras de toi et que Dieu s'adressera à toi, donc tu ressentiras réellement l'humilité nécessaire pour rencontrer Hachem, seulement après tu pourras te remplir de ton intellect. Fais très attention à la phrase. On ne dit pas qu'il ne faut pas d'intellect. On dit qu'il faut un intellect, mais que la base de cet intellect soit reposée sur trois piliers fondamentaux qui sont la émouna, l'humilité et la patience. Si on a les trois ensemble, la émouna, la foi, l'humilité et la patience, comme va le faire Avraham Avinu qui va parler à Dieu mais n'aura pas de réponse, 75 ans plus tard, Baruch Hashem, en réalité, Dieu s'adresse à lui. Vemer Hacher à Avraham, Dieu lui dit, maintenant je vais te parler. Le Rabbi dit, pourquoi il lui parle maintenant et pas avant? Il dit, parce que maintenant Avraham a arrêté de penser, donc Dieu peut lui dire comment penser. Baruch Adonai Leolam. Amen, ve amen. Toda rabba. À tout de suite pour le prochain cours, si Dieu veut.